Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Amazing Spider-Man 2, encore une fois. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas aller tout de suite ici, c'est quoi ça? Métro, course poursuite, machin, on va aller ici, à l'incendie, d'abord. On va s'occuper de l'incendie, parce que notre niveau d'héroïsme, il est en train de baisser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... au moins ça, je sais pas trop ce que ça fait le niveau d'héroïsme, mais bon, j'ai pas trop envie de passer pour un connard dans la presse et tout, auprès des gens. Donc, parce que s'ils l'ont fait, c'est que ça doit bien servir à quelque chose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sauver des gens dans l'immeuble en feu, là où je sais pas où. Et voilà, on va s'occuper d'aller sauver quelques personnes. Attendez, je décale un peu le micro, excusez-moi, pour le bruit que ça a dû faire. S'il vous plaît, je suis coincé ici. Où est-ce qu'elle est, la nana? T'inquiète, tu vas pas mourir. Voilà. Merci. J'étais en train de rôtir. Mais c'est bon maintenant. T'es vivante. T'inquiète. Chaque seconde compte. Ah, il y en a d'autres. Merde. Hey, je meurs de chaud là-dedans. Ah bah elle est là, elle. Oui bah dis, eh oh, si t'es pas contente, je te démerde pour descendre. Hein? Ah merde! Dans un incendie, on peut empirer la situation en ouvrant la mauvaise porte. Les pompiers étudient tout ça. Est-ce qu'on l'enseigne à l'école des Spider-Man? Non! Bon, bah, je suis passé pour un connard. Bon, ça va, ça me l'a pas trop baissé. Écoutez. Ah, attendez, il y a un nouveau truc là. Donc on va aller voir. C'est dans amélioration, c'est ça? Ouais. Ah, écoutez, j'ai de quoi. J'ai de quoi améliorer quelque chose encore. Donc on va améliorer ça. Et on va tout de suite aller à Oscorp, du coup, on fera... en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'après, on fera un crime ou deux, s'il y en a sur la map, pour remonter l'héroïsme. Et ensuite, on retournera faire de la quête principale. Il y a du rouge sur la carte, là. Je sais pas ce que c'est. Il y a du rouge sur la carte derrière moi. Je sais pas trop ce que c'est. Est-ce que... si j'ouvre la carte comme ça... attendez, j'ai reçu un message. Ok. Ah, attendez, parce que je suis en train de faire de la merde. Sang,
Il faut que je monte là-haut. Non, ils vont avoir besoin d'aide. Allez, grimpe au mur. Je te dis, moi. On va se foutre d'abord ici. Tiens, bah regardez. Celle-ci est à conserver. Je peux faire mieux que ça. Le cadrage ne va pas. Burke, je dois mieux cadrer mon sujet. Ouais, bah merde, hein. Oh. Allez. Non, 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 ne commence pas à faire l'handicapé. Monte, voilà, fais ce que je te dis. Tu veux bien être mon ennemi juré ? T'es russe ? Je m'attendais aux hommes de Schulz. Ah, attendez, parce que j'ai essayé de désarmer les mecs en même temps. Là, je fais plus attention, là. Je fais que attention aux mecs là-bas. Oulala. Faut que je fasse attention aux mecs armés, là. Dommage que je doive la casser. J'enlève ces débris pour rentrer. Je vais devoir libérer le passage. Ah, j'ai perdu pas mal de vie pour rien là. Ça fait chier ça. Oui, parce que j'ai fait l'handicapé là. Après on ira faire quelques petits crimes. Ah, ça va, le temps de chargement était plutôt rapide là. Alors attendez, parce que j'ai des messages encore. Ouais, bah dis, tu me fais chier, toi. Oh. Bon, je suis désolé, encore une fois, c'est assez sombre, hein. Gardez les conduits, pas de problème. Il n'y a qu'à envoyer Vlad. Il est petit, il passera. Je me tape toujours le sale boulot, tout ça. C'est pas que tu fais mal ton travail. Enfin, si. Ah, là, là, cette caméra là. C'est fatigant par contre là. Voilà. Arrêtez de me demander de faire des trucs chelous, laissez-moi avancer comme je veux. Là, on voit que dalle. J'irai pas plus loin dans ces conduits. Comment tu t'appelles ? Max. Max Dillon. Ok, Max. Bon. Fais ton choix. Tu nous dis où trouver les armes,
Ou alors tu meurs. Je ne suis qu'un électricien, je n'ai pas accès à ce genre de secteur. C'est pas ton jour de chance, hein, Max? Bah, en même temps, vous êtes cons, les mecs. Vous prenez un électricien pour... Tu voulais être un criminel. Tu voulais l'argent, le glamour et le pouvoir. Tu regrettes, là? L'autre, là-bas, il a une arme. Je m'impressionne. Là, il y a un truc à ramasser, non? Ah non. Non, on peut pas les... Il en reste un. Je peux pas travailler dans ces conditions. Bon, j'aurais dû le niquer furtivement, mais j'ai envie de le frapper. J'arrête pas de parler d'une arme. Je suis prêt à parier que Schultz vise le département des projets spéciaux. On libère pas les autres, on s'en fout. Vous êtes Monsieur Spider-Man? Appelle-moi Spider-Man. Monsieur Spider-Man, c'était mon père. Et toi, t'es qui? Max. Max Dillon. Recherche et développement. J'ai besoin de ton aide, Max. Sois mes yeux et mes oreilles. Tu peux faire ça pour moi? Vraiment? Je veux dire, oui. Je ne vous décevrai pas. Bien. Faites sortir les otages par l'escalier C. La voie est libre. Merci du coup de main, partenaire. Partenaire? Ouais, bah fais juste ce qu'on te demande, fais pas le héros, ça ira très bien. Ils ont endommagé le noyau et il est en surcharge. Et après, le courant va couper? Le courant est produit par un réacteur à fission expérimentale. S'il explose, on meurt tous. Génial! Où il est? Les portes sont fermées. Il n'y a plus qu'un seul moyen de l'atteindre. C'est con, voyons. Du fluide de refroidissement jusqu'au noyau. Eh ben, on va y aller. On va aller se crever là-dedans. On verra bien ce que ça donne. À chaque fois, je fais pas attention qu'on peut y aller. Je suis tellement à donf que le temps de chargement est fini, j'oublie d'appuyer sur la touche. Énorme ce réacteur. Et s'il explose, il sera un trou géant en plein milieu de Manhattan. On doit trouver des systèmes de refroidissement. Alors, une salve de toile, c'est bien, mais où ça? Sur quoi? Comment? Là, j'ai pas compris ce que je visais là. Super. On voit que dalle là dans le noir comme ça. Oh là là, descends de là, laisse-moi sortir. Allez, faut juste que je sorte de là. Allez, que je me concentre là, 2 minutes. Je comprends pas trop où est-ce qu'il faut que j'aille là. C'est pas par là, je pense. Faut que je grimpe. J'ai trouvé.
Bah vas-y. Allez, faut que je me dépêche là parce que... Voilà, bon, j'ai fait un peu le connard, hein. J'ai mis une plombe à trouver d'où ça venait. Allez, allez, allez! C'est foutu, Russe! Faites-les sauter! Qu'est-ce qu'ils font ici? À couvert! Chopez-les! C'est pas vrai. Je dois les empêcher de prendre les armes pour éviter le pire. Je reste hors de vue si je veux avoir une chance. Moi je suis pas dans le camp des trous ducs moi. Qu'ils soient américains ou russes. Jamais de photos de moi dans des moments pareils. Je suis là trop du cul. Allez, voilà, faut les coucher. Tous autant qu'ils sont là. Que je descende. J'aurais peut-être dû faire ça plus discrètement, mais bon. Tu veux bien être mon ennemi juré ? Non, je plaisante. Le système de combat, il est quand même... Il est quand même pas mal, hein. On va tous les cogner. Putain, mon costume vient de gagner un niveau. Allez vite parce qu'il y a d'autres mecs qui sont armés là. Voilà, comme lui là. Je me souviendrai de ça. Pas du combat, mais de mon ennui. Ou merde. J'ai le dernier là. Putain. Me voilà. T'as vu mon annonce dans la rubrique du cœur? Tu croyais que j'allais filer? Laissez New York à des tarés comme toi. Bon, non. Tu rêves. On se doutait bien que t'avais pas de barré. Et maintenant, je l'ai. Dis bonjour au spécialiste des ondes sismiques. Ou comme je préfère l'appeler,
Eh ouais. Jolie dentition. Dommage que je doive la casser. Allez, Herman, sois un peu original. On pourrait faire fortune en vendant des milkshakes. Attends un peu que je m'habitue à ces trucs. Éteins de mort. J'ai plus beaucoup de vie, putain, par contre. Si tu me fais vomir dans mon masque, je t'enverrai la facture. Oula, 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 j'ai plus de vie. On pourrait te dire que tu peux avoir une vie différente, mais sans doute. Il faut que je l'allume là parce que. Parce que là, j'ai plus de vie. Et s'il me touche, à mon avis, je vais souffrir. Quelle planète on appelle cette? Allez, faut qu'on le cogne là. Bon là, c'est... Ouais. C'était que des X. Donc ça va. Bon courage et une bonne tarte à la poire pour le dîner. Non, je peux pas aller en tôle. Les Russes me feront la peau là-bas. Bah tant pis pour toi. Tu pourrais t'arranger avec le procureur pour être placé en isolement si tu aides à arrêter cette guerre des gangs. Elle commence à toucher des innocents. Comment? Je peux plus rien y faire maintenant. Tous les gangs de la ville sont en guerre. On a tous peur les uns des autres. Les Russes sont arrivés ici presque en même temps que vous. Je sais. Un de mes gars a dû les rencarder. Maintenant que ton avenir est, disons, limité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Continuer de s'armer, liquider de ce qui reste de mes hommes et des autres bandes. Ils sont sans pitié, je te jure. Quand ils en auront fini, tu regretteras les mecs comme moi, c'est moi qui te le dis. Alors, qu'est-ce que tu venais foutre là? T'es venu ici pour voler une arme? Exactement. Les flingues, ça suffit plus. Tout le monde essaie de trouver une botte secrète. Un truc assez puissant pour affronter une armée entière. Je parie qu'ils se moquent complètement des dommages collatéraux. C'est pour ça qu'on nous appelle les méchants. Qu'est-ce qui fait peur à des gros durs comme vous? Ces Carnage Killers, ils massacrent mes gars, les Russes, la bande d'Hammerhead, celle de Mister Négatif. Tout le monde pense qu'il est payé par l'un de nous. Et je commence à croire que c'est un de ces monstres, comme ce lézard géant, ou le type avec tous ses robots. Donc, tant qu'il continuera à tuer, la guerre ne s'arrêtera pas. Et ça va même empirer. À moins que tu veuilles te prendre une raclée pour la troisième fois, tu vas dire à la police tout ce que tu sais sur la guerre des gangs. Ok, mais ça changera pas grand-chose. La ville est bourrée de mafieux à la gâchette facile qui ont peur de se faire choper par Carnage Killer. C'est comme un feu qui arrêterait pas de se propager. En fait, je me moquais de ces machins, mais ils sont pratiques. Si je pouvais transférer cette énergie cinétique à ma toile... Espèce de voleur! Eh ouais. Alors, la technologie dérobée au choker. Inspire. Je sais pas ce que c'est qui fait ça là. C'est mon ordi. Alors, est-ce que c'est le mien ou est-ce que c'est le PC portable? Ah, ça va être le mien. Je sais pas si vous l'entendez dans le micro. Capacité provoquer l'explosion. Voilà. Ok. Bon, bah écoutez. Vous connaissez Oscorp, mais peut-être que vous ne me connaissez pas. Je suis Harry Osborne. Quand mon père est mort, ça y est, le caïd. Il m'a légué plus qu'une entreprise. Il m'a légué une véritable institution. Mais depuis peu,
Oscorp et la ville de New York sont en proie aux criminels. Aujourd'hui, j'annonce notre partenariat avec un homme qui, comme moi, est récemment revenu dans sa ville natale pour proposer son aide. Wilson Fisk. Fisk. New York a fait de moi l'homme que je suis, et c'est à mon tour de l'aider. J'ai eu le privilège de reconstruire notre belle ville après la crise qu'elle a traversée, mais ce n'était qu'un début. Permettez-moi de vous présenter la toute nouvelle brigade spéciale. La police a fait du bon travail, malgré ses ressources limitées. Mais quand elle affronte des menaces qui sortent de l'ordinaire, ça ne suffit pas. Alors voilà. Au lieu de répercuter les frais sur les contribuables, Monsieur Fisk et moi avons décidé de financer ce groupe d'intervention nous-mêmes. Les justiciers comme Spider-Man ne font qu'aggraver le problème. C'est notre ville, et nous allons la reprendre tous ensemble. Je suis toujours prêt à reprendre le flambeau de Scorp, jeune homme. Et ma réponse est toujours non. Très bien. J'attendrai simplement que tu succombes à la même maladie que ton père. Sympa. Bon, bah écoutez, c'est dans la merde, hein. Parce que Fisk, il veut pas vraiment le bien pour la ville, il veut le bien pour lui, surtout. Bon, il y a des petits temps de chargement un peu longués, hein. Voilà, merci. À tous les membres de la brigade spéciale, vous êtes autorisés à initier la phase 1 du protocole d'élimination. Je répète, feu vert pour la phase 1 du protocole d'élimination. Et qu'est-ce que c'est que la phase 1 du protocole d'élimination ? Ok. C'est un bon moment pour arrêter les criminels, tant que la brigade... Ouais, on va aller... Oui, parce que là, on a niveau de menace, là. Ouais. Ok. Ok, bon. La pression. On va aller sur la carte, tout de suite. Ah ouais, vous voyez, quand vous êtes une menace... Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là-bas. Merde, ces connards, ils m'ont vu, ils vont me faire chier. Ah, il y a une page de comics là-bas, mais bon, je suis pourchassé par des connards, donc ça va être compliqué d'aller la chercher. Bon, tant pis. Voilà, on va les défoncer eux. Et on va essayer de plus être une menace.
Parce que clairement, si on a ces machins là qui nous attaquent, ça va être le bordel. De pas être une menace. De nombreux coupables de délits appréhendés par Spider-Man se sont avérés recherchés pour des affaires bien plus graves. Voilà. Putain, ça descend pas beaucoup, hein. Quand même, ils abusent un peu, là. J'en ai pas d'autres à côté, évidemment. Petite info, les toiles doivent s'accrocher quelque part. J'en ai raté un sur une des tours, hein, mais bon. Il est là-bas. Le temps est bizarre, là. Le ciel est bizarre. Parfois, je rêve de partir pour Hawaï. Mais il y a sûrement nulle part où se balancer. Oui, ça doit être un peu plus compliqué à Hawaï, ouais. On va penser à un autre mode de transport. Oh là là. Ça doit être un peu plus compliqué à Hawaï, effectivement, de se balancer comme ça. Moi, j'aimerais juste qu'on enlève le niveau de... de menace. Je dois trouver un moyen d'y aller. Là, il y a une page de comics et je crois que j'ai vu une autre tour où il y en avait une aussi. Comme je vous ai dit, on va pas forcément courir après, hein. Ce que je voulais. Mais bon, si on passe devant, on va les ramasser. Je sais pas ce que je visais là. On va essayer d'appréhender la bagnole là. Bah tu t'en auras moins que dans quelques minutes quand je t'aurai sauvé la vie. Voilà, bon. L'important c'était de sauver l'otage. La police étant bloquée dans les embouteillages, Spider-Man a bondi pour arrêter la voiture en fuite. Bon, ça va, c'était facile. Alors excusez-moi si on entend une voiture qui passe dehors. Elle fait littéralement un bruit d'avion. Truc de ouf. Vous pouvez aller voir ? Dans le coin sud-ouest de Central Park ? Je parie que je peux y être avant la police. On n'a rien d'autre pour l'instant de marqué, on n'a que l'incendie. J'y suis en un coup de toile. Ah voilà. Bah écoutez, on va y aller. Il y a mon téléphone qui vibre. C'est pas grave.
Bah écoutez, il est plutôt sympa le jeu, je trouve, moi. Je sais pas ce que vous en pensez, du coup. Mais du coup, honnêtement, si vous le trouvez comme moi en solde à 20, à 19 euros, ou en occasion même encore moins cher, n'hésitez pas. Hein, parce que... Alors là, je me barre. L'araignée, tuez-le. Je sais ce qui vous inquiète. Vous pensez que je préfère Hermann Schulz parce que je l'ai arrêté en premier. Trompez-vous. Je vous accorderai autant d'attention qu'à lui. Ça, je vous le promets. Ah voilà, on va essayer de les frapper. Lui il m'a mis un coup par contre. Waouh, j'étais au top. Il n'y a plus qu'à trouver celui qui a filé. Hey, c'est mon boulot d'arrêter les voyous. C'est quoi ça? Je peux t'aider? D'accord, monsieur Craven le chasseur. C'est cool. Je suis intéressé. On signale des coups de feu à la gare routière. Restez vigilants. Les suspects sont lourdement armés. Voilà, j'ai le niveau d'héroïsme qui est remonté. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, on va continuer dans cet épisode. On va continuer à faire ça. Envoyez de l'aide immédiatement. Histoire d'avoir un bon niveau d'héroïsme, d'être tranquille, parce que sinon, les autres, ils vont nous casser les couilles avec leur brigade, là. Et donc on va perdre un petit peu de temps peut-être, mais on va faire ça. Faut leur enlever leurs armes surtout. Bah tu devrais avoir peur mon pote. Tu devrais. Allez, hop, double esquive. J'essaye en tout cas. Voilà. Qui c'est ce gros bonhomme? Comme un trampoline, non? Il paraît que les méchants se considèrent pas comme méchants. Il a pas de barre de vie lui. Je sais pas combien de fois je vais devoir lui faire ça. Ah bon bah je pense que c'est fini. Bon bah voilà. J'aime. Impressionnant. Mais tu n'es qu'un bleu. Tu manques d'expérience. Je suis assez expérimenté pour cogner vos copains. Je suis russe. Mais je n'ai rien à voir avec ces chiens. Mon nom est Sergei Kravinov, mais on m'appelle Kraven le chasseur. J'ai eu votre message, mais d'après mes recherches, vous êtes un de ces types qui se baladent à poil dans la forêt en mangeant des insectes pour une émission de télé. En quoi c'est censé m'aider, hein? Tu n'es qu'un enfant qui joue à être un homme. Je peux faire de toi un vrai chasseur. Si jamais tu acceptes, je serai là. Compris. À la prochaine. Ah bah si on a un mec qui veut bien nous filer un coup de main, pourquoi pas, hein. On est à combien de temps, là? 40 minutes. Oh, pardon, monsieur Jameson, mais j'avais cours. J'ai une vie en dehors du boulot. Avant l'instant que le travail passe avant tout, vous ne méritez pas votre carte de presse. C'est pas grave. Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est que là, il y a un petit crime. Parce qu'en fait, en vrai, j'ai suivi la quête principale sans le faire exprès, là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le petit crime qui est là, puisqu'il est juste à côté.
Skyfall, c'est toi? Il fait si peu d'efforts, j'ai l'impression qu'il ne me respecte pas. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper d'eux, là. On va les dégommer. Bon, des fois, la caméra part un peu en couille. Moi, j'aime vraiment bien le système de combat. Alors, il est simpliste, mais... mais j'aime vraiment bien. Donc là, on va vraiment monter le niveau d'héroïsme pour être tranquille. Et ensuite, on ira retourner faire la quête principale. Tiennent Spider-Man pour responsable de la baisse de la criminalité, mais aussi du regain de l'économie locale. Bah tant mieux. Ah voilà, c'est bien. Bon, maintenant, on va retourner par là-bas. On verra après pour les améliorations. Quelqu'un me l'aurait dit, non ? Non, ce qui est bien, par contre, c'est que le jeu est pas spécialement super beau. Mais il est relativement fluide. Et puis, vous voyez, il y a quand même... il y a quand même du détail. Et bon, là, il y avait du clipping hein, aussi. Et surtout, il y a de la vie en bas, quoi. Je veux dire, quand vous marchez et tout, par terre, il y a de la vie. C'est pour ça que tout à l'heure, je voulais marcher un petit peu. Je voulais me balader un petit peu au sol. C'était pour voir comment ça se passait un petit peu au sol. Et il y a quand même de la vie, il y a du monde, il y a des voitures, il y a des piétons, voilà. Ok, pas de panique. J'ai besoin d'informations sur Kraven et je peux me servir de ma carte de presse. Aucun problème. Donc globalement... je découvre que je suis photographe et pas journaliste. Il risque de me transformer en trophée. C'est quand même plutôt pas mal. Je dois penser à un autre mode de transport. Oui, on va rentrer dans son loft. On est déjà à 41 minutes de cet épisode, dis donc. On va bientôt s'arrêter parce que ça fait relativement long. Et je pense que j'ai encore du temps, donc je vais tourner un troisième épisode à la suite. Pendant que je suis chaud, franchement, je vous le dis, je vais continuer. Je vais peut-être même, pourquoi pas, faire le... ça se trouve, réussir à faire toute la quête principale dans la même matinée. Ce qui ferait que ce serait pas très long comme jeu, pour le coup, mais... mais au moins, tout le truc serait tourné. Comme ça, vous l'aurez en entier, c'est Monsieur sûr. Kravinoff, c'est moi, Peter Parker, du Daily Bugle. On s'est parlé au téléphone. Et la porte était ouverte. Monsieur Kravinoff? Bonsoir. Oh, désolé de vous avoir fait peur. Il est con. Je suis Kraven. Pardon pour cette entrée soudaine. Ce n'était qu'une démonstration de mes talents. J'ai regardé vos vidéos sur le web. Je vous ai vu neutraliser ce tigre sibérien à main nue, sans lui faire de mal. C'est une espèce menacée. J'ai emmené ce tigre loin du village pour son bien et pour celui des habitants. Les chasseurs dignes de ce nom cherchent à préserver la nature. C'est là que nous trouvons la paix. Vous êtes bien loin. Attendez, je bouge un petit peu le micro, excusez-moi. Voilà. J'avais besoin de changement. J'étais venu chasser les monstres créés par Oscorp. Les mutants. Une combinaison redoutable d'animaux et d'humains. J'ai stoppé cette menace. Mais je me suis attaché à la ville. Et la ville s'est attachée à moi. Alors j'ai décidé de rester. Et maintenant, vous chassez des gens normaux ? Non. Des criminels. Seuls les hommes qui s'en prennent à leurs semblables ont une raison de me craindre. Cette nouvelle brigade spéciale envoie un message clair, non aux justiciers. Ah, je me méfie d'eux. Ils sont payés par Fisk. Vous avez certainement entendu parler de ces activités illégales.
Oui, comme tout le monde. Mais il n'y a aucune preuve. Et la police le laisse faire. Parce qu'il soudoie les éléments véreux. Et les autres font tout pour éviter d'avoir l'air incompétent. Tandis que le public prie pour que la vague de crimes soit endiguée. Je ne veux qu'une seule chose. Des résultats. Ce qui est bien, c'est que voilà, on peut choisir ce qu'on lui dit. Moi, je lui dis les trois choses à chaque fois, mais on n'est pas obligé. On peut faire directement terminer la conversation maintenant. D'après mon expérience, mes recherches, la police n'aime pas trop les justiciers. La police ne s'est simplement pas montrée à la hauteur. Dommage. Je crois qu'ils n'aiment pas trop qu'on leur rappelle ça. Je ne cherche pas à les insulter. Mais ce serait bien pire d'avoir la capacité d'agir et de rester les bras croisés. Vous n'êtes pas d'accord? Si, tout à fait d'accord, bien sûr. Hop. L'homme est-il vraiment le gibier le plus dangereux? À sa manière, oui. Mais l'homme n'est rien d'autre qu'un animal très évolué. La vague de crimes actuelle me donne des opportunités fascinantes pour l'étudier. J'observe les différentes factions. Et qu'est-ce que vous avez appris? Les criminels ont des points communs avec les animaux. Ils ont des terrains de chasse, des comportements spécifiques. Ils voyagent en groupe. Mais il y a des différences. Du genre? Les animaux tuent uniquement pour survivre. Seuls les êtres humains sont délibérément cruels. Donc votre responsabilité est de mettre vos capacités au service de la justice. Oui. Si je ne faisais rien, je ne serais pas digne de cette puissance que je possède. Merci. Je crois que nos lecteurs trouveront ça très intéressant. Bien, bien. Je dois prendre cet appel, mais faites comme chez vous. N'hésitez pas à prendre des photos. Oui. Non, des fléchettes tranquillisantes. Non, les armes automatiques ne m'intéressent pas. Elles sont trop barbares. Je suis un artiste. Ouais. Bon bah écoutez. Trouver un meilleur angle. Ah, tu me fais chier, je suis pas photographe, moi, à un moment donné. L'image n'est pas assez nette. Bon, bref. Je vais le prendre comme ça, alors. On va se reculer un peu. Celle-ci n'est pas bonne. Ah bah ils me font chier. Elle mérite d'être encadrée. Voilà, ouais bah je la trouve pas mieux que celle que j'ai fait tout à l'heure hein. Je peux rayer ça de ma liste. Un gramophone, ouais, pourquoi pas. Qu'il me fallait. Voilà. J'ai mon téléphone qui n'arrête pas de vibrer. Ok. Est-il en train de s'écouter de la musique classique à donf? Excellent. Pardon pour cette interruption. Est-ce que vous voulez voir mes derniers trophées? On va bientôt s'arrêter, hein, là, parce que on arrive à 50 minutes. Du coup, on va aller le voir lui, là. Je sais pas où il est. Comment il est monté?
Il est où l'escalier? Ah, il est là-bas. On va aller le voir à lui. Et puis après, on va s'arrêter pour cet épisode. Voilà. Des mutants. Fascinant. N'est-ce pas? Spider-Man les avait pas capturés? Une solution inadaptée. Ils ont fui. Et vous les avez tués? Pour sauver la vie de leurs victimes, oui. Et pour me défendre aussi. Ils étaient redoutables. Je sais. Enfin, j'imagine. Alors, attends, excusez-moi, je regardais mon téléphone. Qu'en pensez-vous avoir le droit de tuer? Quand je n'ai pas d'autre choix, je ne tue pas sans raison. Mais quand c'est nécessaire, je n'hésite jamais. Si un innocent perdait la vie à cause d'une mauvaise décision, je ne me le pardonnerai jamais. Je vous comprends. Ils avaient tous des pouvoirs surhumains. Comment vous avez fait? Je me suis entraîné à repousser les limites humaines en augmentant mes forces par des moyens naturels. Pas avec les drogues de ces vermines qui polluent les rues, mais les secrets de cultures indigènes. Herbes, potions, des mystères oubliés par l'homme civilisé. Mmh. Tu te drogues en fait quand même. Chasseur de criminels, on pourrait croire que Carnage Killer, c'est vous. Ah, ce n'est pas un chasseur, c'est une brute, un sauvage. Son existence même est une insulte aux hommes tels que moi. Donc même s'il chasse les criminels, vous aimeriez l'arrêter? Bien sûr, il déshonore ce que je fais. Sans honneur, Peter, la chasse n'est rien. Bien dit. Dernière question. Est-ce qu'il vous reste encore quelque chose à accomplir? Oui. J'aimerais que mon art perdure après ma mort. Transmettre mon savoir à un protégé. Ma seule famille est un frère qui suit une autre voie. Je n'ai pas de fils, mais... peut-être... Ah, excusez-moi. Je deviens mélancolique en vieillissant. Vous avez ce qu'il faut, Monsieur Parker? Oui. Je crois que c'est bon. Bon. On va sortir de chez lui. Si je retrouve l'escalier, ouais, il est là, c'est bon. On va sortir de chez lui tranquillement, et puis on va s'arrêter là pour ce deuxième épisode. Je suis désolé, c'est un peu sombre, hein, mais j'y suis pour rien. Attendez, il y a des trucs là encore. Et on va sortir tranquillement et s'arrêter là pour ce deuxième épisode, puisque ça fait plus de 50 minutes maintenant qu'on est parti. Donc du coup, ça passe vite, hein. J'ai pas l'impression que ce deuxième épisode ait été si long. On a fait beaucoup moins de choses, je trouve. En fait, c'est ça, je pense que les prochaines missions, elles vont être plus longues. Du coup, je sens que finalement, le jeu, il est pas si court que ça. Ah, on verra bien, écoutez. Ah, niveau 4 de costume. Whitney? Whitney? Tu vas me rendre jalouse? Qui êtes-vous? Ce n'est pas comme ça qu'on parle à une dame, ni à moi. Ah, Felicia, c'est le numéro que j'ai donné à Whitney Chang. Comment tu l'as eu? Je suis la chatte noire, t'as oublié? J'ai tendance à mettre la main sur des choses que je ne dois pas toucher. Et toi, l'araignée, ça t'arrive de mettre la main sur ce que tu ne dois pas toucher? Je croyais que t'étais en prison.
si tu m'appelles pour me narguer parce que tu t'es évadé... C'est blessant. Je connais des manières bien plus amusantes de te narguer. Un conseil, quitte la ville avant que je trouve le temps de te courir après. J'allais te dire la même chose. Ça commence à être dangereux par ici. On pourrait se chasser l'un et l'autre de la ville. J'ai mieux à faire que de jouer avec toi. Je veux dire, jouer à des jeux avec toi. Au revoir, Félicia. Hop, bon. Attendez, on va s'arrêter là. Pour ce deuxième épisode, on a fait 5 missions principales sur les 14. Donc on va s'arrêter là-dessus. Évidemment, on continuera. Donc je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.